le 7-9. Charline Vanhoenacker, vous êtes accompagnée de Frédéric Fromet. Vous avez le visage couvert de suie. Oui, parce que d'après l'expert mandaté par l'usine Lubrizol de Rouen, la suie, c'est excellent pour la santé. Ouais, et en condiment, c'est délicieux sur les tomates. Alors n'ayez crainte, ce léger incident est une belle opportunité pour la région Normandie. Les vaches noires, noires et noires, sur lesquelles tombe la suie. Et les cerisiers noirs, made in Normandie. Une chouette odeur d'œuf pourri, descendre dans la prairie. C'est ça l'écologie, made in Normandie. Fumée made in Normandie, toxique made in Normandie. C'est pas ça qui a tué Chichi. Circuler, y'a rien à voir. C'est le préfet qui le dit. Il l'a écrit noir sur noir. Formule made in Normandie. Il faut pas voir tout en noir. C'est un très bel incendie. Voici le nouvel or noir pour la région Normandie. Contre les problèmes de peau, plus besoin de dermato. Une bonne couche de suie made in Normandie. Grâce à l'usine Lubrizol, plus besoin de Biactol. Plus besoin de cure terme à la Vichy. Ça règle aussi la question, poubelle verte, jaune ou marron. Y'a plus qu'une poubelle noire ici. Et voici le nouveau cidre qui comble l'appétit. En formule solide, aux cendres de Normandie. De nouvelles spécialités offertes par la chimie, comme le camembert fumé à la suie de Normandie. Quand il y a des nuages, on dit que le ciel s'assombrit. Mais c'est un heureux présage s'ils sont made in Normandie. Car c'est cousu de fil noir, c'est un nouvel essor. Un formidable espoir, ça marche aussi à l'export. En Belgique, aux Pays-Bas, pour donner aux gens de là-bas, pour donner aux gens de la suie made in Normandie. Merci Charline Vanhoenacker et Frédéric Fromet.